colorer l'équipe, vitesse, vivacité, Ilia Viscal. 5 minutes de jeu, ça commence bien, se dit le Hollandais. Mais en face, pas de souci pour Molenbeek, euphorique ces derniers jours. Le Rings place son équipe dans la position idéale, 0-1 après 15 minutes. La partie est équilibrée, mais Molenbeek reste le plus tranchant. Ruben Nilsson surgit au point de pénalty, demi-volée dans la lucarne, dont Petri s'envole. Du beau spectacle, applaudissements. Les frappements de main, Verkotteren connaît bien, mais il préfère les coups de pied. Son gauche fait toujours merveille. Van Ankeren ne peut en profiter car Petri suscite encore les bravos. Plus pour longtemps, Molenbeek le sent, le chaos est possible. Le Rings a l'odorat fin et le coup de patte précis. Van Ankeren cette fois place au bon endroit. À 0-2, le doigt de l'attaquant indique la bonne direction. Le bras de porte aussi joue les indicateurs. Pour le but, c'est tout droit, enfin presque. Un peu de chance pour De Rover, mais c'est insuffisant pour la Gantoise qui se fait rejoindre au classement par le RWDM. La bataille pour l'Europe fait rage, elle suscite en tout cas bien des passions.